Pour démarrer, bonjour à tous. Je vais vous faire une petite présentation qui, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas parler d'outils, je ne vais pas parler technique brute, mais je vais vous parler de DevOps quand même. Je me présente rapidement, je m'appelle Sébastien Brousse, je travaille à Zinca West, c'est une société de services spécialisée dans l'open source, le Java. Et vous avez une petite étendue de mes compétences sur principalement l'intégration continue, l'intégration applicative et l'automatisation en général. Donc c'est bon si vous voulez, sur Twitter. On va parler DevOps en fait à partir du début. On va parler un peu d'histoire pour commencer. DevOps, il était une fois en fait en 2009 une présentation à la VelocityConf. Donc c'est une conférence d'Ops qui a eu lieu et il y a eu la présentation qui a initié DevOps, en fait il s'appelle 10 deploys per day at Flickr. Donc c'est une présentation de John Alspo et Paul Hammond qui présente en 2009 comment ils font 10 déploiements par jour en production. Comment ce qu'ils ont mis en place pour le faire. Ils parlent pas mal de collaboration, ils parlent un petit peu d'outils. Et c'est une presse qui a fait un énorme boom à l'époque. Et on reprend souvent le cas de Flickr pour présenter ça, parce qu'ils affichent en bas du site le nombre de déploiements qu'ils font par jour, la version qui change tout le temps, etc. Donc c'est des gens en fait, qui présentent qu'on peut avoir une vision entre les deux mondes, de la collaboration, et finalement les bases sont posées à cette époque-là. Dans la même année, fin d'année octobre, il y a un consultant belge, qui s'appelle Patrick Desbois, qui initie une conférence en fait, sur ces thématiques-là et qui lance le mot DevOps. Donc ça s'appelle les DevOps Day. Donc le terme est créé dès la fin de l'année 2009. 5 ans plus tard, en fait, il y a 19 DevOps Day, c'est une franchise internationale, il y en a partout dans le monde. Donc en 2014, il y en a eu 19, c'est vraiment énorme, ça a vraiment explosé. 5 ans, c'est l'âge de la maturité aussi pour DevOps. Aujourd'hui, c'est aussi en 2014 le boom dans l'entreprise. Les grands du web en ont fait depuis 2009, mais depuis 2014, on en parle vraiment pour dire dans l'entreprise comment on peut le faire. Et c'est plus une spécificité des gens du web aujourd'hui. Alors DevOps, c'est quoi ? On va poser un peu les bases, on va essayer d'enlever les idées. Est-ce que DevOps, c'est une marque ? Est-ce qu'on peut faire un trademark DevOps ? Absolument pas. C'est un terme libre. Et il faut faire un petit peu attention aux contrefaçons, puisque globalement, on arrive dans une période un peu floue, où les gens vont essayer de marketer ça, malheureusement. Est-ce que DevOps, c'est une certification ? Est-ce qu'on peut être certifié DevOps ? Non. DevOps, c'est absolument pas une certification. Il n'y a pas de certification, contrairement à tout ce qui pourrait être agilité, Scrum, etc. Patrick Desbois, cette année, en fait, pour les 5 ans des DevOps Day à Ghent, il a dit, en gros, ce sont les autres qui nous certifient DevOps. C'est pas une boîte, c'est pas parce que vous allez faire une formation, pourtant je suis consultant, donc je vous le dis, c'est pas parce que vous faites une formation que ça va vous certifier que vous êtes DevOps, en fait. Hein. C'est la collaboration que vous allez avoir, c'est les autres qui vont vous dire, c'est génial ton taf, on travaille beaucoup mieux. Donc, pas de certification. Est-ce que DevOps, en fait, c'est un outil ? Hein ? Est-ce que si vous avez un outil DevOps, vous êtes DevOps ? Non plus. Au grand dam de certains éditeurs ou certains acteurs, c'est pas parce que vous utilisez un super outil qui est appelé DevOps que vous êtes DevOps. C'est pas parce que vous faites du Ansible ou du autre chose, hein, vous mettez X, ce que vous voulez, ça ne fait pas de vous des DevOps pour autant. DevOps, en fait, il y en a plein. Ils se ressemblent globalement. On peut passer par les mêmes étapes. Les moyens d'y parvenir sont différents. Et finalement, l'idée, c'est que vous devez trouver le vôtre. Le DevOps, en fait, vous allez avoir... Il faut celui qui convient à votre organisation, à votre entreprise. Donc, l'idée, c'est un petit peu... Benetton. Sylvain en parlait tout à l'heure, en fait, quand on parle DevOps, assez rapidement, on va arriver sur l'acronyme CAS. Donc pour la culture, l'automatisation, la mesure et le partage. La culture, c'est quoi ? C'est l'élément principal de DevOps. DevOps, c'est centré globalement sur les personnes, l'humain, et vraiment au centre de toute la démarche. C'est pas uniquement les outils,
C'est l'idée de faire appartenir les gens à un même groupe et d'avoir un objectif commun au sein de ce groupe, d'avoir un focus et de créer un collectif. Ça, c'est... une fois que vous avez ça, là, globalement, vous pouvez commencer à parler culture et commencer à dire « on fait du DevOps ». La deuxième étape, c'est l'automatisation. Enfin, après, bon, ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'on ait les étapes dans le sens que vous voulez, mais c'est à peu près simple. L'automatisation, c'est l'idée, c'est la reproductibilité de vos processus, la simplification et la fluidification de vos processus. Il faut pouvoir aller plus vite, il faut pouvoir automatiser. C'est éliminer les différents points de contention que vous allez avoir, hein, pour essayer d'aller plus vite. C'est éliminer aussi les points de douleur que vous allez rencontrer lorsque vous faites vos processus humains ou techniques de déploiement. La mesure. L'idée de la mesure, globalement, elle intervient où ? C'est que si vous voulez chercher à vous améliorer, il faut déjà mesurer où vous en êtes. Et derrière, vous... Ça y est ? C'est fini ? Cool. 25 minutes ? Ça marche ? Donc l'idée, c'est de ne pas avoir... Je pense que ça fonctionne comme ça. Je pense qu'on a telle pratique, telle mesure. Je pense qu'on déploie tant. On mesure, on a une vision sur ce qu'on fait et on ne devine pas. C'est la première étape de l'amélioration. Vous savez d'où vous partez, vous remesurez un peu plus tard en fonction des actions que vous avez entreprises. Et derrière, vous savez si vous avez amélioré les choses ou pas. C'est valable pour plein de choses. C'est valable pour les performances applicatives, évidemment. C'est valable pour vos performances de processus, le nombre de déploiements que vous faites, etc. Le temps qu'une feature arrive en production, et c'est valable aussi pour les personnes. Le dernier, c'est le partage. Le partage, c'est la base de la création d'une boucle de feedback entre les équipes, entre les devs, entre les ops, avec les métiers, entre les différents acteurs, et c'est ce partage de la confiance qui va s'instaurer, qui va créer la culture et le regroupement. C'est l'idée qu'on va créer un cercle vertueux et qui va alimenter la culture derrière. Et derrière, on retourne sur tout le CAMS, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Partager les pratiques, partager les connaissances. Hein. Et quand vous avez confiance avec les gens, vous aimez travailler avec eux, globalement. Alors, on va parler un peu de théorie, quand même. En 1984, en fait, il y a Monsieur M. Goldratt qui a écrit un livre qui s'appelle « The Goal ». C'est un livre qui présente, en fait, c'est un roman qui présente la gestion des flux de production dans le cadre d'industrie et l'amélioration de ces flux à travers la théorie des contraintes. Donc c'est juste un roman qui présente il y a un problème dans une usine et comment les gens vont améliorer l'usine pour pas qu'elle ferme, etc. C'est une source d'inspiration en 1984. Et c'est à la source de nombreuses méthodologies aujourd'hui. On y retrouve dans le Lean, on en retrouve aussi hein, quelque part dans l'agilité aussi. Et dans DevOps, on retrouve ça. C'est vraiment cette théorie des contraintes, elle est vraiment importante, elle pose les bases dans beaucoup de méthodologies actuelles d'informatique. Il y a 30 ans. Si vous connaissez, il y a un roman qui est une sorte de spin-off de celui-là, qui est le Phoenix Project. C'est exactement la même histoire, c'est un roman, mais appliqué à l'informatique. Donc, je vous recommande la lecture, c'est plutôt sympathique, et c'est pas du tout de la théorie lourde. Et c'est assez intéressant. L'idée, c'est qu'il va présenter ce qu'il appelle les trois voies dans la théorie des contraintes. Donc, qu'est-ce que c'est que ces trois voies ? C'est la démarche théorique qu'on va essayer de mettre en place en fait, derrière DevOps, plus ou moins malgré nous. La première voie, c'est prendre connaissance de la chaîne de valeur du système. C'est que vous mettez tous les acteurs de votre processus interne ensemble dans une pièce et vous les faites partager l'ensemble des étapes de l'idée à l'utilisateur, du début à la fin. Et c'est arriver à reconnaître en fait, les différentes étapes que vous allez devoir traverser. Et derrière, connaître en fait, les points de blocage, les points de valeur, ce qui nuit à votre business, et ce qui fait aussi la valeur de votre métier. Donc reconnaître tout ça, et les forces et les faiblesses, et savoir ce qui va finalement devoir être optimisé au sein de la démarche. Donc si on résume un petit peu, l'important c'est l'identification de la chaîne de valeur complète, donc on met dev, hein, mais il y a aussi les métiers qu'on peut mettre dedans, de l'idée à l'utilisation, à la mise à disposition pour
pour les utilisateurs. Et c'est, dans la théorie, la reconnaissance des contraintes. Alors une contrainte, c'est quoi dans la théorie ? C'est un endroit dans votre processus, une personne, un outil ou autre chose, par lequel va passer plusieurs flux. C'est-à-dire que quand cette ressource va être utilisée, le travail derrière, il va s'empiler. Donc c'est une ressource critique, donc c'est une contrainte. Les contraintes, globalement, ça peut être des processus, ça peut être des points de blocage, des latentes, une réunion de validation entre des acteurs, parce que j'ai un livrable, ok, il faut d'abord que ce soit validé par telle personne. Si cette personne n'est pas libre et qu'elle fait une réunion avec quelqu'un qui n'est pas très libre aussi, ben en fait, vous allez devoir attendre avant de pouvoir livrer. Ça, c'est une contrainte. Une contrainte aussi qu'on voit pas trop dès le départ, c'est les sachants. Ceux qui ont la connaissance et qui ont la connaissance unique de certaines opérations. Quand vous êtes en équipe et globalement vous commencez à dire « ça je m'en occupe pas, c'est lui sait faire ça ». Ben en fait cette personne, elle est la seule à savoir faire l'action ou pas, peut-être sur du legacy, un middleware, hop, oula, c'est un truc COBOL, moi je touche pas, ça c'est de la merde. Bon, ben en fait la personne qui s'occupe de ça, c'est la seule à pouvoir le faire. C'est-à-dire que si elle n'est pas là, la boutique elle arrête de tourner. Donc c'est une vraie contrainte. Donc pouvoir reconnaître aussi les personnes qui deviennent les sachants dans vos processus, c'est vraiment important pour pouvoir derrière travailler sur ces contraintes. On nous a souvent dit en fait d'agréger de la connaissance parce que ça fait de nous de meilleurs experts ou des gens en mieux. C'est pas du tout le but dans la méthodologie DevOps. La deuxième voie, c'est l'amplification des boucles de feedback. L'idée ici, c'est qu'on commence à faire des itérations entre les devs et les ops. On continue et on essaye d'améliorer ces itérations. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. C'est déjà, un, augmenter la visibilité sur ce qui se passe, partager les informations, rendre les choses transparentes et visibles. Pour accélérer les itérations, il faut essayer de simplifier les échanges. Si on doit passer par X réunions, avoir des outils un peu plus collaboratifs, voilà. Au fur et à mesure, on va essayer d'améliorer le processus. On voit combien de temps on met à faire une itération et on essaye d'accélérer ce temps-là. C'est aussi permettre de corriger en continu, en fait. On reproduit, et on essaye d'améliorer les choses. C'est améliorer les connaissances. Dans le sens où vous devez relâcher, alors le terme c'est relâcher la pression sur les contraintes. C'est si vous avez des points de blocage finalement et que la personne est seule à savoir faire ça, et ben en fait vous commencez, comme pour des devs, à faire du peer programming. Vous la mettez à cette action avec quelqu'un d'autre qui va apprendre et qui va réaliser la doc et qui va prendre aussi une partie de la connaissance. Et quand vous avez deux personnes qui savent faire quelque chose de critique, vous pouvez enquiller plus de boulot. Donc c'est l'idée. On commence à faire des boucles de feedback et de donner des informations entre des populations. Donc ça, c'est la deuxième étape. La dernière étape, c'est le graal du DevOps, c'est la mise en place de la culture d'expérimentation. La troisième voie. Donc quand vous en êtes là, vous avez réussi généralement. L'idée, c'est comment on crée cette culture de l'expérimentation. C'est faire des boucles plus simples, plus rapides. C'est l'idée de libérer la créativité au sein des différents acteurs. Les personnes, l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur ont leur propre valeur. Il n'y a pas ceux qui décident et ceux qui font. L'idée, c'est que, en tant que dev, je suis aussi porteur du métier de mon entreprise. En tant qu'ops, aussi. En tant que personne qui va avoir l'idée de le faire, c'est ça. Si vous libérez la créativité, si vous avez la capacité de prendre des risques, tenter des choses, et surtout redevenir créatif. On n'est plus aujourd'hui dans une époque où les métiers où il y a un architecte qui va pondre une spec avec du pseudocode et l'algorithme à la virgule près, et puis finalement on tape de dev, c'est de pisser le code en Java ou autre. C'est pas du tout ça. J'ai pas fait un bac plus 5 pour simplement qu'on continue à me dire ce que je dois faire toute la journée. Et c'est pareil pour tout le monde. Et finalement, si on me lâche un peu la bride, je vais pouvoir proposer des choses, tenter d'améliorer dans mon scope, mais si j'améliore les choses pour moi, je suis capable, au fur et à mesure, si tout le monde le fait, on améliore l'ensemble du système. Et globalement, on répète les itérations, etc., pour que ça devienne fluide, pour qu'on améliore la maîtrise de notre technique. Et finalement, la maîtrise de notre technique intervient, on a plus de connaissances, on les partage plus. Et quand on se permet d'essayer, de prendre des risques,
même si ça se vautre, en fait, on ne devrait pas condamner des gens qui ont tenté un truc, quoi. Parce que c'est ça qui fait gagner de l'argent aussi. L'idée, c'est de se permettre de prendre des risques sans avoir peur de déclencher un incendie parce que « Oh non, non, je ne peux pas faire ça, non, c'est une crotte, je ne veux pas. » Non. Parce que si vous le tentez et que vous apprenez de vos erreurs, parce que c'est là où on apprend le plus, vous allez améliorer votre pratique, votre maîtrise globale. Donc ça, c'est les trois voies qui sont décrites à l'époque, en 1984, pour des flux industriels. Et ça s'applique réellement à des flux aussi informatiques. Et c'est assez intéressant. L'idée, c'est aussi, il ne faut pas brûler les étapes. C'est une démarche incrémentale. Ça ne se fait pas en 2 semaines. Alors, dans le bouquin, ils le font en 2 semaines. Bon. 6 mois. Mais l'idée, c'est que vous pouvez le faire peu à peu. Ça dépend de votre organisation, la mise en place de tout ça. Mais ne cherchez pas, en fait, à partir tout en haut sur la culture de la prise de risque. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas bien identifié votre chaîne de valeur, bon, ça va pas se mettre bien comme il faut. Alors bon, quelques petits slides sur le pourquoi on fait du DevOps. Hein. Globalement, on parle souvent du fameux time to market. On essaye de le réduire, ce fameux time to market. Alors c'est quoi le time to market? C'est j'ai une idée, il y a quelqu'un qui a une idée, et il veut la mettre à disposition pour que ça commence à générer du cash. Et si vous avez des idées et que vous le mettez rapidement à disposition des utilisateurs, vous allez savoir si l'idée elle est bonne, parce que les utilisateurs, ils vont essayer. Donc l'idée pour faire tout ça, pour réduire ce temps, on revient à fluidifier, simplifier les process. Et vous arrivez à essayer plus souvent. Essayer plus souvent, finalement, ça vous permet de quoi ? Gagner des parts de marché. Être plus compétitif par rapport à vos concurrents. Donc globalement, DevOps, c'est absolument pas une œuvre de charité. Hein. L'idée, c'est quand même de gagner plus d'argent que les autres. Hein. Alors il y a un effet non négligeable à DevOps, c'est qu'on se sent, on s'implique plus, on se permet plus de choses, et finalement on devient fier un peu plus de son travail, on est plus performant, on a envie de plus s'impliquer. Donc finalement on trouve, ou retrouve, suivant comment vous vous placez, le goût pour votre travail. Et ça c'est pas mal. C'est, on n'est plus en train de se dire, non mais c'est pas moi, c'est la procédure, elle est comme ça, je peux rien faire. Non, je suis un acteur et je suis capable de changer la procédure et finalement je suis un acteur pour changer ma propre qualité de travail. Donc ça c'est un effet de bord non négligeable, comme on dit. Alors, quand on parle de DevOps, on parle de qui? Sans surprise, hein. On parle de Dev, on parle d'Ops. Alors, c'est un rouge, c'est pas un rose, hein. C'est pas pour dire qu'il y a plus de filles hein, chez les Dev que chez les Ops, hein, même c'est le cas. Donc c'est quand même deux populations très très différentes. Et on va voir un petit peu pourquoi, je vais être volontairement caricatural. Les devs, globalement, c'est les acteurs du chaos. Hein, ils sont porteurs du changement, c'est eux qui développent des évolutions, c'est eux qui mettent des bugs en prod. Hein. C'est pas globalement les ops qui vont tout faire foirer, les acteurs, c'est eux qui introduisent les bugs. On l'a dit tout à l'heure, un dev, c'est globalement feignant par nature, il a une tendance assez forte à l'automatisation obsessionnelle. Et surtout, un dev, c'est un dieu vivant. Il peut tout faire, parce que ça marche sur sa machine. Moi, j'ai jamais compris pourquoi, dans les data centers, on n'est pas des racks pour mettre des laptops. Parce qu'en fait, il n'y aurait plus de problème sur Internet. J'y crois très sérieusement. Donc, peut-être un jour. Bah, après, il faudrait racheter des machines tout le temps. Mais bon, ça marche sur sa machine. Donc, il est surpuissant, ce gars-là. Par contre, dès que ça sort de sa machine, ça ne marche plus. Bizarre. Donc ça, c'est les devs. Les ops, eux, c'est des gens responsables. Sans eux, le monde s'écroule. Ils ont la responsabilité de la stabilité des infrastructures. Ça ne doit pas changer. Donc on comprend quand même qu'il y a une vraie dichotomie en fait entre les deux. Les autres, ils sont là pour changer tout le temps, et les autres sont là pour ça ne doit pas changer. Donc forcément, on se fout sur la gueule. Donc ils essayent de lutter contre le chaos généré par les devs, et globalement, bah, en fait, ils ont plein de casquettes, plein de taf, et quand on voit à quel point il faut être précautionneux pour bien arranger les cartes dans un data center, ouais, ils n'ont pas trop le temps de s'occuper de nous. On les connaît pas trop aussi, parce que finalement, on a mis en place des procédures, hein. On a de l'agilité en dev, eux ils ont ITIL, ITSM, ce genre de choses. Ils ont rationalisé aussi leurs procédures. Généralement, ils ont fait des trucs assez rigides, parce qu'il faut de la traçabilité, il faut de l'identification, il faut... Bon. La mise en place d'ITIL et ITSM, ça a toujours été assez particulier. Et finalement, quand on parle, on demande à un dev c'est quoi un ops, finalement, au mieux,
c'est un type à qui je discute avec, à travers un ticket Jira, ou si j'arrive à le choper parce que j'ai son nom, la première chose qu'il va me dire après bonjour, c'est quoi ton ticket ? C'est jamais arrivé ? Bon. Ces types-là, de toute façon, ils ne savent pas dire bonjour. C'est juste, c'est quoi le code d'imputation ? Hein, sinon, on n'a pas le temps de s'occuper de vous. Bon, accessoirement, il paraîtrait qu'ils sont un peu barbus et des choses comme ça. Enfin, il y a des légendes qui courent, mais généralement, on ne les voit pas. Donc, bon, c'est pas parce qu'en fait, on a mis en place des outils qui nous permettent de rationaliser, de tracer, d'avoir des procédures, qu'on ne peut pas les automatiser, quoi. Hein ? Tout ce qu'on parle, en fait, dans ETL de release, de change management, de CAP, ça peut, c'est pas parce qu'on doit faire ça qu'on est, on peut pas les automatiser. Donc, des fois, les gens ont pris ça trop à la lettre, on va dire. On pourra en parler. Ce que les devs devraient être, en fait, finalement, c'est essayer d'aller voir un peu plus loin que le bout de leur scrum board. Un dev, globalement, s'attache dans un sprint, si on parle d'agilité, hein, j'espère. Il met son post-it à la fin dans Dawn, et il a fini son travail. C'est testé, ça marche, Dawn. Ben non, Dawn is not enough. Si vous regardez l'étoile noire, là, elle marche. Elle a été testée. Mais globalement, on est tous d'accord qu'elle n'est pas terminée en vrai. Donc l'idée d'un développement, c'est pareil. C'est pas parce qu'il y a un post-it dans une case done que ça, c'est pas en prod en fait, donc ça ne sert à rien. Donc il faut que les devs comprennent qu'un développement n'est fini que quand il est installé et qu'il est utilisé par des utilisateurs. Même testé, un développement n'est pas fini. Ce que les ops devraient être aussi, si on met du point de vue des devs, finalement ils devraient être des facilitateurs et pas des espèces de gardiens du temple où on empêche tout le monde de passer. Voilà, c'est pas des douaniers. Ils devraient pas non plus porter le poids de la prod tout seul. Hein, parce que moi je trouve ça toujours un peu hypocrite de leur dire « Je te balance mon war, je t'appelle fais une doc parce que ça embête tout le monde de faire la doc, et puis de toute façon si ça plante c'est ton problème. » Non, j'ai fait un truc, je suis censé être responsable de ce que j'ai fait aussi. Et donc, voilà, quelque part on aimerait, c'est mon point de vue peut-être, être autorisé et on aimerait qu'ils nous accompagnent pour la production. Et on pourrait les soulager et finalement qu'ils aient plus de temps à faire leur vrai travail. On va dire que simplement essayer de lire des logs de l'application Java qui prennent 12 Go de RAM et qui plantent. Bref, DevOps, on l'a dit au départ, ça fait 5 ans. Donc joyeux anniversaire. On a un peu l'âge de la maturité. On a un recul maintenant sur DevOps. Ça a été la thématique des DevOps Day de Ghent en fin d'année dernière. Et en fait, on commence à voir l'émergence de certains patterns. Il y a le bon et le mauvais DevOps. C'est comme les chasseurs, il faut savoir les reconnaître. On va commencer par parler des mauvais DevOps, on va dire, ce qu'il ne faut pas faire. Bon, globalement, hein, sans secret, le pattern de base d'avoir une équipe en silo et séparée, il ne faut pas le faire. Ça ne va pas marcher. C'est l'approche classique, hein, c'est je dev, j'ai fini mon développement, je mets ça dans un partage et ça va être pris par quelqu'un parce que de toute façon j'ai créé un ticket Jira, maintenant c'est plus mon souci et je fais autre chose. L'impact là-dessus, c'est qu'on a des délais de maintenance en fait, on ne sait pas combien de temps ça va mettre avant d'être installé. On ne discute pas avec les gens, il n'y a pas de collaboration. Et ça a coûté cher parce que eux, ils essayent d'être de plus en plus rapides. Et quand ça passe en prod, en fait, bah, c'est un développement que j'ai fait il y a 3 mois, et puis il faut que je me remette dedans, il faut que je récupère un tag pour refaire une branche, corriger un truc. J'ai complètement switché de contexte, ça se trouve, je ne travaille même plus sur cette appli. Bon. Et les autres, de toute façon, ils n'ont pas le temps, et puis ils continuent de prendre de plus en plus de charges avec des équipes de dev qui vont de plus en plus vite. Et puis globalement, comme ils n'ont pas le temps, bah, ils n'ont pas l'envie ni la possibilité d'aller voir leur dev pour leur expliquer ce qui ne va pas avant que le problème apparaisse. Donc on a globalement des gens à qui on reproche de ne pas faire les choses correctement, mais on ne leur donne pas la visibilité sur ce qui se passe. Et de l'autre côté, on a des gens qui ont la vision, mais on ne leur donne pas le temps de la transmettre ou de gérer, et surtout on leur demande de gérer des problèmes qu'ils n'ont pas créés, quoi. C'est vraiment une approche assez sympathique l'entreprise, hein, de manière générale. Donc ça, c'est le fondement en fait, de l'approche DevOps. C'est d'essayer d'arrêter de confronter les deux tribus. Le deuxième anti-pattern, et je dis bien que c'est un anti-pattern, c'est le piège de base. C'est
Finalement, on va essayer de faire du DevOps, donc ça a l'air sympa, et on va créer une équipe DevOps. Donc globalement, il y a votre DSI qui a fait du golf avec ses collègues, ou qui a lu une presse sur 01.net et qui a fait « putain, hop, DevOps, c'est the place to be, demain je veux mon équipe DevOps ». Peu importe, je sais pas ce que c'est, mais j'en veux une. Hein, il a acheté son iPhone 6 au passage. Et l'idée, c'est que bon, c'est bien, c'est une contrainte, on a obligé les gens à faire du DevOps, mais on va pas nuire à la productivité actuelle, je sais pas comment faire. Donc finalement, on va regrouper des gens, il y a des gens qui savent ce que c'est, bon, on regroupe les meilleurs, on va dire, de l'équipe de dev, l'équipe de ops, et puis on fait un troisième silo. Parce que c'est ça. On est en train de créer un troisième silo qui va s'occuper de faire du DevOps entre les devs et les ops. Donc vous avez fait quoi? Vous avez rajouté une contrainte, vous avez fait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Au milieu de tout ça, et en plus comme c'est des gens qui ont un peu la fibre, qui se sont dit tiens, bah, c'est des devs et j'aime bien monitorer, ou c'est des ops et j'aime bien automatiser, et bien globalement, en fait, vous allez avoir des gens qui vont avoir la vision des ops hein, et qui ne vont pas la partager. Vous allez avoir en fait des ops qui vont se dire oh, les autres, ils font encore du bash, c'est préhistorique. La team DevOps, hein, la création d'un silo DevOps au sein de votre flux, spécifiquement, ça va parler peut-être plus aux devs, mais c'est apparu directement dans la partie old, ne pas faire dans le radar software de l'année dernière. Donc c'est. Dans l'expérience, c'est vraiment le truc qui va échouer assez largement dans tous les retours d'expérience. C'est pas comme ça que vous allez créer de la collaboration, pas avec un nouveau silo. Troisième anti-pattern, c'est un petit peu ce qui nous est vendu par les acteurs du cloud. Big up à Nicolas. C'est finalement la démarche, le dev, il est tout puissant, hein, il peut tout faire. Globalement, on va lui donner des outils et il va s'occuper de faire les ops. Parce que finalement, il est Amazon, je prends un Google Compute Engine, je clique, paf, mon dieu, j'ai une VM en 3 minutes. Paf, je clique, elle a une adresse IP publique, c'est fantastique, je peux déployer, je peux l'utiliser, au revoir. Ça entretient finalement une sorte de suffisance pour les équipes de dev, et puis derrière, on fait, paf, les ops, on n'en a pas besoin, on peut s'en occuper. On se retrouve avec des développeurs, une partie des développeurs un peu plus qui ont envie de s'occuper de ces outils-là. Sont un peu intéressés pour gérer l'infra, et adieu les ops. Bon, globalement, c'est appelé à tort ce qu'on appelle le no ops, on supprime les ops. L'année dernière, avec tous les problèmes SSL d'admin, globalement, on ne donne pas ça à des devs, hein, les gens ils savent pas faire, c'est un vrai métier ops, il faut le conserver, mais il faut leur laisser le temps de faire ce qu'ils savent faire. Donc, pas de sirène, des super outils DevOps qui suppriment la moitié de votre équipe. Non. Ça ne marchera pas mieux pour autant. Le bon DevOps. Alors, il y a quand même quelques petites choses qui ont émergé sur l'utilisation de DevOps qui a abouti à des bonnes choses. Alors, c'est une petite variante en fait de la team DevOps. C'est l'idée, c'est que vous pouvez essayer de lancer la démarche DevOps en faisant une team dédiée DevOps. Mais cette team a la vocation à être temporaire. Et ça doit être clairement presque contractuel dès le départ. Cette team elle a pour objectif d'effectuer un lien entre les équipes de dev et les équipes d'ops. D'essayer d'introduire en fait de l'accompagnement et des idées folles comme hey, les ops, si on faisait des stand-up meetings et puis un petit Kanban, un truc avec les post-it, vous allez voir, c'est assez drôle. Pour aller voir les équipes de dev, faire, vous savez, un certificat c'est pas mal, la sécurité c'est intéressant, et puis en fait un load balancer en fait c'est utilisé en prod, peut-être que vous pourriez réfléchir à l'infrastructure que vous pouvez mettre en place derrière. Bon, et l'idée c'est que vous essayez de rapprocher en fait les deux populations, et à un moment les gens vont naturellement arriver à travailler ensemble, et hop, vous supprimez la team au milieu. C'est crucial dans la démarche que ces gens-là accompagnent, mais n'aient aucune responsabilité à long terme sur l'ensemble du processus. Si c'est eux qui doivent décider des déploiements et qui doivent valider des choses, vous retombez dans l'autre pendant. Donc c'est l'idée, c'est de faire la chose pour la lancer. Une fois qu'elle est lancée, on enlève. Un deuxième pattern, finalement, c'est si vous avez des petites équipes de dev et une grosse équipe d'ops, on va dire.
C'est ce qu'on pourrait appeler DevOps as a service, hein, pour faire cool. C'est une manière assez utile, assez pragmatique en fait, de faire monter les devs en compétence sur tout ce qui est ops. On va leur permettre d'apprendre un petit peu l'automatisation, parce que finalement vous l'avez peut-être fait d'abord sur les ops. Le monitoring, c'est un truc qui est souvent oublié, ça je n'ai toujours pas compris. La gestion de configuration. Finalement, c'est essayer de mettre un peu de culture des ops chez les devs. Alors ça convient aux petites équipes avec peu d'expérience et vous les accompagnez. Ça me permet de monter en puissance sur des sujets comme l'infrastructure as code, tout ce qui est Ansible, Puppet, etc. C'est une étape vers la suite, pareil, c'est pas une fin en soi. Au fur et à mesure, en fait, les développeurs vont acquérir la compétence, la connaissance sur ce style d'automatisation et vont pouvoir récupérer des tâches d'exploitation et partager le travail. Comme ça, les ops, ils ont le temps de faire d'autres choses qui sont plus utiles que s'occuper des applis. Un troisième pattern qui est un peu différent, c'est finalement l'infrastructure as a service. Vous faites une gateway, pareil, vous avez des gens chez les devs qui s'intéressent énormément aux ops, arrivent à discuter avec eux, qui arrivent à parler leur langage. Et vous pouvez faire comme ça en fait des gens qui vont s'occuper de traduire les informations et d'initier la collaboration. On les reconnaît ces gens parce qu'ils ont souvent été moteurs pour améliorer les processus. C'est eux qui ont mis en place soit l'agilité ou l'intégration continue chez les devs, sur les plateformes de thèse, d'environnement, etc. Et qui se sont dit en fait, bah ouais, on aimerait pouvoir aller plus loin et donc on va aller voir les ops et on va essayer de gérer cette montée en compétences. Donc bon. C'est une topologie, finalement, elle va sacrifier un petit peu de la collaboration, de l'objectif final, mais pour essayer, pareil, de lancer la machine. Ça a le mérite, en tout cas, d'être une transition assez douce, parce que vous ne pouvez pas changer les choses du jour au lendemain. On parlait sur comment vautrer, en fait, une démarche DevOps, c'est tenter la solution finale avant tout. Et donc, bon, ça reste du temporaire, mais... on retrouve en fait dans des cas d'usage là-dessus sur finalement comment coder l'infrastructure as code directement par les devs. Ils sont accompagnés. Et on ne peut pas mettre un ops à côté de chaque dev, donc finalement on le fait avec des gens qui comprennent un peu plus. Le pattern 4, c'est la fusion totale entre les devs et les ops. Le vrai no-ops, il est là en fait, c'est ne plus arriver à faire la distinction entre les deux. Vous arrivez sur un plateau, le mec il est en train de coder en PHP ou n'importe quoi, et finalement, hop, il fait un déploiement en prod. Oh. Il s'occupe de tout. Donc c'est l'idée d'Amazon. Vous l'avez conçu, c'est vous qui le déployez. C'est la démarche aujourd'hui qui a derrière les modèles des pure players, tout ce qui est Facebook, Google, Amazon, Netflix. Ils ont un seul produit. Tout le monde est dans la même direction. Donc c'est assez simple finalement pour eux. Ils n'ont pas 40 équipes projet. Donc tout le monde est dans la même direction pour supporter, pour développer, et finalement tout le monde œuvre pour la réussite. Et on se partage les connaissances parce qu'on est dans le même monde. Donc ça c'est le no-ops final, c'est là où sont les grands acteurs d'il y a quelques années. Alors c'est pas forcément une fin en soi, c'est pas du tout scalable sur une entreprise par exemple. Vous pouvez pas mélanger tout parce que vous avez des équipes projet nécessairement dues à votre organisation. Donc il faut faire attention à ça aussi. Le pattern final, en fait, finalement, c'est la collaboration douce entre les différentes équipes. C'est la terre promise du DevOps, c'est ça. C'est d'arriver à faire travailler les deux équipes, à les faire collaborer. Chacune reste spécialisée dans sa tâche. Les développeurs développent, mais savent discuter. Et surtout, finalement, ils partagent. Ils ont une zone de partage, ils ont les mêmes outils. Et ils arrivent à se comprendre, parce que quand vous travaillez avec les mêmes outils, globalement, vous arrivez à discuter et vous collaborez dans un même but. C'est des équipes qui peuvent travailler séparément, mais qui savent collaborer. Et ça, finalement, c'est l'espèce de graal qu'on va essayer d'approcher. Voilà pour les patterns. Comment on peut faire ? Bon. On en parlait sur la capacité de réussite d'une démarche DevOps ou pas. Il vous faut un Golden Angel. Il faut quelqu'un qui vous mentore au sein de votre organisation. Dans le cadre des entreprises, si vous êtes dans une start-up, c'est beaucoup plus simple. Mais quand vous êtes dans une entreprise lourde, conséquente, vous ne pouvez pas changer à votre échelle
tout en bas l'organisation, parce qu'en fait ça va changer les choses pour les gens, et globalement, on va pas se mentir, les gens sont réfractaires au changement quoi qu'il arrive, surtout sur de l'humain, surtout sur de l'organisation. C'est compliqué, c'est très lent de tenter de faire du DevOps en sous-marin, ou dire vous rencontrez l'Ops aux toilettes, ou alors à une pause club et lui dire ouais, est-ce que t'es libre, t'as un créneau pour livrer, oui, tu peux déployer, ok, il y a un problème ou pas, l'appli tourne bien. Bon, non, c'est pas comme ça qu'on fait. Par contre, vous pouvez essayer de changer les choses, et c'est aussi dire ce qui ne va pas. Pour pouvoir changer les processus, il faut pouvoir dire ouvertement à son management, ça ne marche pas, comment on peut faire? Et il va vous donner les moyens de le faire. Donc l'appui du management pour changer l'organisation, ou essayer de la changer, c'est primordial. C'est l'œuvre d'un bouquin assez récent, enfin de l'année dernière, qui s'appelle Lean Startup, ou Lean Enterprise, pardon. Lean Enterprise, qui est le changement organisationnel pour avoir des pratiques lean, au sein d'organisations assez lourdes et complètes. C'est Jason Buck qui l'a écrit, c'est le mec qui a 5 ans qui a écrit Continuous Delivery, donc il sait à peu près de quoi il parle, et il explique comment on peut changer des organisations d'entreprise pour adopter des choses beaucoup plus fluides et beaucoup plus réactives. Donc c'est assez intéressant, et ce qui est amusant, c'est que ça mène naturellement à du DevOps. Bon, une fois que vous avez l'appui de votre management pour essayer la démarche, par où faut commencer? Globalement, il faut apprendre à se connaître. Donc il y a des modèles de maturité qui traînent, bon, globalement, on retrouve un petit peu de documentation là-dessus. Il faut arriver à s'évaluer, il faut mesurer où on est pour savoir où est-ce qu'on veut aller et comment on va le faire. Donc, connaître ses forces, ses faiblesses, la qualité des pratiques qu'on a. Vous pouvez être peut-être super fort sur une partie dev, vous avez une forge complète, et puis à la fin, de toute façon, les opérationnels font ça. Ou alors, vous avez le contraire. Est-ce que vous avez des tests? Est-ce qu'il y a énormément de choses différentes? Est-ce que vous avez l'outillage, la visibilité, la communication entre les acteurs? Est-ce que vous savez une feature quand elle est en cours de développement? Où est-ce qu'elle en est? Est-ce que les acteurs métiers peuvent le savoir? Est-ce que les ops peuvent le savoir? Bon voilà, il y a beaucoup comme ça de choses qu'on peut mesurer. On les mesure, peut-être à un petit périmètre au départ, et après, on essaye d'améliorer les choses. Initier la collaboration, il n'y a pas 40 000 choses, hein, suivant où vous en êtes, il faut exploser les silos. Mettre en place la collaboration, changer l'organisation, hein, il faut mixer les équipes, il y a peu d'autres moyens de le faire, ou essayer de les mettre ensemble. Travailler ensemble, c'est travailler avec, hein, je veux dire, c'est stupide, mais il faut le faire. Ce que ça veut dire, c'est qu'un bon test, pour l'avoir vécu, c'est d'essayer de mettre temporairement peut-être un ops dans une équipe de dev. C'est assez drôle. Il découvre la vie, il comprend. Et faire la même chose, vous envoyez un dev une semaine chez des ops, il va se passer des choses. Donc bon, initier la collaboration, ça peut être sympathique comme ça. Alors même si il n'y a pas vocation à faire beaucoup de choses, mais initier déjà et faire que les gens discutent entre eux un moment. Bon, je suis en train de vous dire qu'il faut envoyer un dev chez les ops. Globalement, c'est un peu laisser entrer le loup dans la bergerie, tout le monde va vous dire « jamais ». Au grand jamais. C'est pas pour rien que d'ailleurs on leur parle à travers un outil informatique de chat, il faut même pas savoir à quoi il ressemble, parce qu'on pourrait les retrouver. Bon. Non. À quoi ça sert d'envoyer un dev chez les ops? Finalement, c'est insuffler un peu de la culture de dev chez les ops. Alors ça dépend, hein. Y a des bons et des mauvais ops, hein. Mais globalement, un dev, par défaut, il sait utiliser un gestionnaire de sources. Il sait globalement utiliser, automatiser ses actions. Hein, on en parlait, c'est des feignasses. Quand il a un problème, assez rapidement, il va développer ses propres outils pour les régler et ne plus avoir à le refaire à la main. Et c'est un mythe. Mais apparemment, un dev, ça sait coder des tests. Voilà. Donc, finalement, ça permet d'apporter un peu de cette culture de dev chez des ops. Parce que moi, je rencontre encore trop souvent des ops avec des scripts qui sont pas du tout versionnés, et puis de toute façon, pourquoi ils savent même pas utiliser SVN, donc c'est assez fou. Bon, hein, y a des gens qui parlent de beaucoup plus loin. L'idée, c'est aussi que le dev comprenne les problématiques des ops, parce qu'il va les voir au quotidien galérer sur l'appli qu'il a codé, et à un moment, normalement, il y a une sorte de cohésion qui va se faire, et puis bon, bah, il va se dire, maintenant je peux pas laisser dans cette merde, c'est pas possible. Effectivement, je suis ici dans les logs, ça va pas les aider beaucoup. Bref. Donc,
amener un petit peu de l'esprit du dev chez les ops. L'impact que ça peut avoir sur les devs, en fait, quand le mec va revenir après dans son équipe, c'est finalement de se dire, ouais, le monitoring, c'est sympa, ça leur permet de faire plein de choses, on peut adapter en fait nos applications à ce monitoring-là. Comment on peut faire? Parce qu'eux, ils ont la connaissance, donc finalement, on peut exposer plus de métriques. Essayer de comprendre comment les applications marchent mieux. Accompagner les mises en production, j'ai vu comment ils font, peut-être qu'à un moment, ils vont faire confiance, et puis voilà, je peux faire la même moi-même. Ça permet de responsabiliser les développeurs. Hein, ils vont comprendre ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils produisent derrière. Augmenter la qualité du feedback, pareil, on commence à créer en fait cette boucle de valeur et on a les informations sur ce qui se passe. Alors quand je parle de responsabiliser, on peut parler d'astreinte, c'est pas sale avec des développeurs. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut que tout le monde, tous les devs soient d'astreinte, mais par contre moi ce que j'ai remarqué sur mon dernier client, ça fait 2 ans, je suis d'astreinte. Et globalement, je peux vous garantir que mes applications, elles sont beaucoup mieux maintenant. Parce que j'ai pas envie de me faire réveiller à 3h du matin. Alors avant, c'était bon, bah ouais, l'os, ouais, je sais, il y a eu un problème. Ah bon, bah, je le gérerai après le café. Hop, 10h30. Bon. Bah maintenant, quand c'est moi qui peux me faire appeler, je peux vous promettre que maintenant j'ai du monitoring, j'ai mis en place du graphique, j'ai un agios moi-même. Voilà, on est allé beaucoup plus loin d'un coup. Et on veut être proactif parce que hors de question que ça arrive la nuit, hein, globalement. Donc la responsabilité, ça peut intervenir là-dessus, ça peut être intéressant. Il n'y a pas d'intérêt que les ops se fassent réveiller pour des problèmes de null pointer quelque part. L'idée derrière, c'est que si je m'occupe de ça, les ops ils ont le temps de gérer la sécurité et au vu de, on en a parlé tout à l'heure, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est énormément de travail. Si on regarde le pendant, finalement, à quoi ça servirait d'intégrer un ops chez les devs? Bon, c'est un peu l'adulte qui arrive dans la cour de jeu. Voilà, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ont des nerfs, ils sont en train de se tirer des balles toute la journée. Enfin, ils ont un métier ces gens-là? Je crois pas. Bon, un ops chez les devs, ça peut servir à quoi? Utiliser la gestion de conf. Hein. Globalement, un ops, normalement, il utilise une gestion de conf, il a appris à installer son infra automatiquement. Bon. Il peut permettre aux devs à essayer de comprendre ces outils. Mettre en place le monitoring. Hein, on retrouve le pendant. Finalement, j'ai besoin d'exposer telle métrique, comment je peux la récupérer? Ah ouais, ok, c'est du Java, du JMX, machin, ok, bon, ben, il faut ça, comment on peut le faire? Change tes informations. Améliorer la sécurité, bon. Simplifier les environnements. Quand les ops, en fait, ils ont fait la gestion de compte sur la prod, bon, des fois, s'il va voir l'équipe de dev qui se dit « Attendez, vous gérez vos serveurs de dev à la main ?» Je comprends pas. « Ah, mais c'est pas du tout isoprod, on n'est même plus sur ces versions de Linux du kernel ou autre. » Bref. Et un truc non négligeable, mais pas du tout négligeable, c'est que si vous envoyez un op chez les devs, il va comprendre ce qui lui arrive et ce qui va lui arriver en pleine tête. Typiquement, en middleware, vous faites un nouveau projet et « Oh, bah, on va faire du MongoDB, c'est génial et tout en dev. » Ben, l'Ops, en fait, il va voir ça, il va faire « Oh, je vais peut-être m'y intéresser un peu, parce que ça va me tomber dessus bientôt. » Et ça va être... faut essayer de comprendre, c'est une nouvelle stack, pourquoi pas, comment ça se monitor, comment ça s'exploite. Donc, finalement, il va essayer de comprendre aussi les problématiques de dev. Et là-dessus, c'est assez intéressant, parce que moi, je n'ai jamais compris pourquoi c'est au dev de produire la documentation sur l'exploitation d'une appli. Finalement, c'est moi qui code l'appli, mais... je ne vais pas imposer à des ops comment ils doivent exploiter l'appli. Hein, faut faire ça et tout, ah oui, mais ce n'est pas du tout les outils qu'on utilise, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Bon, si c'est un ops qui vient, il saura exactement comment travailler, comment il a envie de gérer les fiches de tâches, les procédures d'exploitation. Il fera ça mieux que moi, parce qu'en plus, moi, ça ne m'intéresse pas des masses. Bon, peut-être que lui non plus, mais... Donc un ops chez les devs, ça a quand même pas mal d'intérêt. L'objectif finalement de la mise en place de DevOps, c'est identifier dans un premier temps un chantier commun et vous mettez les deux équipes à travailler ensemble. Le premier chantier hein, qui arrive assez régulièrement, c'est l'automatisation des environnements sur toute la chaîne et généralement à la demande. Voilà. Si vous demandez à un dev c'est quoi, ce qui est le plus pénible avec les ops, c'est que je crée un ticket, je veux une VM, au mieux je l'ai dans 3 semaines. Bon, ben, moi je fais la même chose en fait quand j'arrive chez les clients, ils n'ont pas de serveur Jenkins ou autre. En tant que bon fainéant, j'installe un Jenkins. Bon,
Moi, au bout de 2 jours, il y a de l'intégration continue, il y a un sonar, il y a toute une forge logicielle, c'est pas un problème, je connais ça. Bon, quand je dis 2 jours, hein, j'ai demandé une VM, en fait, elle me sera livrée dans 3 semaines pour l'installer, j'ai perdu patience, je l'ai installée sur le serveur de dev en loose day, quoi. Bon, et je migrerai plus tard quand j'aurai le temps, quoi. Bon, ça c'est pas possible. Donc finalement, on peut travailler ensemble sur comment provisionner les environnements de test, d'utilisateurs, etc., à la demande, les bases de données, automatiser tout ça et gagner du temps. Et c'est un bon chantier, quoi. Il y en a d'autres, en fait, des chantiers d'offres qu'on peut essayer de travailler ensemble chez les devs. Donc automatiser les environnements, ouvrir le monitoring. Le monitoring de prod, c'est un truc, les devs devraient réellement y avoir accès. Ça permet de savoir ce qui se passe, ça permet de savoir ce qu'on devrait faire. Moi, je trouve ça toujours assez drôle quand les devs disent « on va mettre une nouvelle stack avec un cache distribué, tout fantastique ». Ouais, tu sais si c'est utilisé. Non, mais ça va améliorer les pertes de 400% au moins, quoi. Sur ma machine en tout cas. Bon, c'est pas le cas. Si vous voulez réagir, il vous faut les vraies informations. Et déjà, la plupart du temps, quand vous donnez en fait des graphes de monitoring sur comment se déroule l'application en prod, les devs, la plupart du temps, ils vont juste découvrir les choses et comprendre, dire ah ben en fait, tiens, c'est bizarre, ça marche comme ça. Ah oui, et puis la fonctionnalité que j'ai codée il y a 3 mois, en fait, ah ben, elle n'est pas du tout utilisée, en fait, ça ne sert à rien. Bon, donc c'est assez intéressant. Un chantier qui est plus compliqué à mettre en place, hein, c'est autoriser et encadrer les accès en production. C'est pas parce que c'est la prod, les devs ils accèdent à des environnements de développement, de calif, de recettes, etc., X, mais ils accèdent rarement à la prod. C'est quand même assez intéressant puisqu'ils peuvent vérifier rapidement des choses, le comportement, ils peuvent donner un coup de main aux ops sur la maintenance donc, finalement le support. Ils n'ont pas besoin d'avoir... Enfin, moi sur la prod j'ai un accès en lecture, ça me va très très bien en fait, et j'arrive à trouver des bêtises et bon, on arrive à œuvrer comme ça. Mais c'est pas un problème, les devs devraient quand même avoir accès en prod, mais il faut encadrer tout ça. J'ai pas dit qu'il faut que ce soit open bar. Mais on peut tracer tout ça. L'idée, c'est de partager la responsabilité aussi entre les ops et les devs, finalement, sur les mises en production, les déploiements. On peut faire un chantier aussi assez simple où les ops ils viennent faire le premier stand-up lors d'un lancement de sprint, histoire de savoir ce qui va leur tomber dessus dans 2 semaines ou 1 mois. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ça peut permettre de comprendre les gens aussi. Développer des tests d'infrastructure. Vous avez automatisé, vous avez superscript, vous avez fait du Ansible, etc. etc. Est-ce que vous testez ça en fait avant de le mettre en prod? C'est toujours amusant. Là-dessus, j'ai une petite histoire assez amusante où l'année dernière, moi j'étais un exploitant, on avait demandé une supervision supplémentaire. L'exploitant il nous a demandé quand est-ce qu'il pouvait couper la prod pour tester que la règle Nagios marchait en prod. Donc il s'en est suivi en fait une discussion de toute l'après-midi pour essayer de comprendre pourquoi il n'avait pas des environnements de test, en fait, pour tester ses règles de supervision. Et en fait, le retour de l'exploitant, c'était en fait, je peux tester en recette, en calife, mais ce sera pas le bon nom du serveur, donc en fait, je pourrais jamais m'assurer que ça marche bien en prod. Et comme en fait, les exploitants, globalement, ils ont toujours le dernier mot, parce que c'est eux qui ont la prod, on l'a fait. Ils ont coupé la prod, bon, manque de bol, ils s'étaient gourés dans la conf, donc on a réinstallé après, on a relancé l'appli. L'alerte n'a pas eu lieu, et ils nous ont envoyé un mail pour retrouver un autre créneau pour faire une coupure de service en prod, etc. Le nombre de fois jusqu'à ce que ça marche. Bon, moi ça me paraît complètement fou. Hein. Moi j'imaginerais pas qu'on développe directement sur la prod. Jamais. Bon, c'est pareil pour eux, ils devraient avoir des choses et comprendre que, oui, ils peuvent tester sur des environnements qui ne sont pas les mêmes, mais qu'ils peuvent le faire. Bon. Des chantiers d'ops aussi, c'est l'API de provisioning finalement, ouvrir un petit formulaire qui va vous permettre de déclencher comme sur Amazon, comme sur Google, etc. Je clique et hop, j'ai une VM, c'est fantastique. Et finalement, j'ai pas besoin de passer par un ticket avec quelqu'un qui va cliquer à ma place dans l'outil. Je peux le faire moi-même, on partage les choses. Bon. Versionner les configurations système, hein, ça paraît basique, mais c'est pas toujours le cas.
Les chantiers de dev, finalement, ça peut être prévoir le monitoring. Je vais revenir là-dessus. Depuis que je fais les astreintes, maintenant, je me suis intéressé à Graphite. Je le fais moi-même. On prépare les scripts, ça fait partie des livrables. Quand je livre une application, je livre aussi ces dashboards de monitoring. Ça change la vie et c'est pas à eux de comprendre comment je dois faire les choses et c'est pas eux qui doivent cliquer. Je peux livrer un script, ils l'installent et hop. Plus je vais monitorer ça directement sur mes environnements à moi et il y a juste besoin de copier-coller en changeant les noms de variables pour les serveurs. C'est quand même plutôt intéressant. Donc c'est une première étape aussi. Ça peut être accompagner, réaliser les installations, donc ça on l'a vu, c'est notre pendant. Partager la responsabilité, c'est toujours pareil. Fournir un packaging natif. Alors généralement, on a des ops qui sont sur des Linux, hein. J'ose espérer pas sur un Windows en prod, hein. Mais bon, il y en a encore. Finalement, ils savent installer des paquets. Toujours jamais compris pourquoi les devs n'essayent pas de livrer des applis, livrer un WAR. Hein, y a pas la conf, y a machin. Comme on dit, on dézip le WAR, la procédure, on change les properties, on rezip, et puis ouf, on le met quelque part. C'est pas comme ça qu'on fait. Packaging natif, ils savent l'utiliser, c'est plutôt intéressant, ça vaut le coup de s'intéresser à ça, et c'est pas si compliqué. Développer un dashboard des évolutions, finalement, vous avez votre feature, elle en est où, elle a un quel niveau, ben voilà, vous donnez de la visibilité sur ce qui se passe, ce qui va arriver, les métiers sont contents, les ops, et tout le monde partage ça aussi. Truc amusant quand on parle d'ITIL, le CAB, c'est l'endroit où on va décider de ce qui va passer en prod, ce qui est risqué ou pas, ce qu'il faut, ça va prendre du temps, etc. Je n'ai jamais compris dans toutes les boîtes où je suis allé, où ils avaient mis ça, qu'il n'y avait jamais un dev en fait qui l'attend, pour leur expliquer ce que c'est, ce qu'on est en train de livrer. Non, les ops ils le savent, ils savent si c'est risqué. Et mine de rien, ça a quand même planté. Un chantier qui est assez à la mode aussi en ce moment, c'est l'agrégation des logs. Hein. Il y a des logs partout, on a envie de centraliser ça, on a envie de pouvoir les traiter. Donc tout ce qui est stack, LK, Elasticsearch, Logstash, Kibana. On peut le mettre en place, c'est un bon chantier parce que finalement on a besoin de s'intéresser à comment sur les machines les applications sont loguées, le système est logué, etc. Comment on peut travailler là-dessus. Et finalement, hein, automatiser, automatiser, toujours automatiser. Donc ça c'est un chantier finalement qui va sauver le monde entier. Globalement, voilà comment on peut essayer, enfin, c'est des exemples hein, un petit peu qui ont été ressortis sur ces 5 dernières années. Je ne vous ai pas parlé d'outils, il y a d'autres slides sur lesquels je peux parler d'outils, hein, mais je pense qu'on a déjà largement exposé mon temps. Donc merci. Et si vous avez des questions, je pense que je serai disponible ce midi plutôt que je vais laisser Sylvain parler de tout ça. Merci.